Ramasse ton colt ou je lui agrandis son trou de balle. C'est sur la chaîne à Sly Guy. Enfin, je veux dire le trou qu'elle a dans l'épaule. Enfin, le trou de balle qu'elle a dans l'épaule. Tu m'as compris. Et puis le match que vous attendez tous, je vous en parlais il y a un instant aussi, juste avant avec Fred dans Planète Rap, il y a le clash de la drague qu'on va retrouver ce soir, clash de la drague de ce vendredi. Mais si je ne m'abuse, il n'y a pas de belle cette semaine. Il n'y a pas de belle cette semaine. Qui a gagné lundi? Il y a déjà 2-0. C'est moi. Ah oui, t'as gagné deux fois cette semaine. Il va nous casser les couilles. Mais écoute Cédric, à toi de remettre de l'ordre dans tout ça tout à l'heure, on compte sur toi. T'inquiète pas, je m'occupe de ça tout à l'heure. Vous pourrez voter pour Romano, pour Cédric. Il est chaud, le PDHH, le prince du hip-hop. Et il est chaud Cédric aussi. Ouais, toujours. Bon, compte sur vous pour nous faire rêver ce soir du rêve, de l'amour, de la drague. Vos méthodes du clash. Tiens, vous avez vos méthodes, Cédric, ta méthode. Ouais, moi, c'est la méthode musculation. Là, j'ai pris le sport, là, j'ai repris le sport. Tu es en train de te muscler le cou d'ailleurs. Et tu sais que t'as ton cou qui a pratiquement doublé de volume depuis tout à l'heure grâce à un magnifique furoncle. Non, mais t'as un coup d'éléphant, mec. C'est un truc de ouf. Bah ouais, malheureusement, j'ai un. Ah, mais il y a un espèce de truc blanc. Mais je t'ai dit, avant minuit, je l'éclate. Ah, mais c'est encore grossi, ouais. Avant minuit, il y a une explosion directe sur Skyrock. T'inquiète, ça bouge pas. Donc tu fais du sport. Ouais, c'est ça. J'ai commencé la musculation là et j'aimerais bien montrer mon corps tout musclé à la fin. Faut arrêter de te muscler le ventre, hein, je te le dis. Les seins, bah, attends. Le ventre et les seins évitent de muscler. Ça fait partie du programme, t'inquiète. Donc Cédric, l'homme musclé de ce soir. Et Romano, c'est quoi ta méthode? Je me suis épilé le sexe. Ouais. Et j'irais bien le montrer à la famille pour leur demander un peu ce qu'ils en pensent. Tu veux des conseils fashion? Ouais, c'est ça. Et puis des tu veux savoir si t'as testé ma nouvelle bite épilée, quoi. Tu veux savoir si t'as fait un fashion faux pas en te rasant complètement la bite? Ça aurait pu faire carrément une teinture jaune. Ouais, comme Karim. Allez, j'ajoute la teinture jaune. Bah ouais. C'est bien, man. Alors, tu t'es rasé le sexe, mais t'as mis une petite teinture jaune. Ouais, voilà, un truc dans le genre, quoi. D'accord, ok. La méthode du nouveau look de la bite d'un côté, la méthode de la muscu de l'autre. Nouvelle bite pour une nouvelle bite. C'est ça, ouais. Et la muscu de l'autre côté. Bon, écoutez, on teste ça dans un instant. Ouais. On sélectionne les familles et on. Allez, c'est parti, clash de la drague, on y va. Allez, hop là. Attention, attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Oui, Romano, Cédric. Ouais. Romano, ils sont là. Salut les filles. Opérationnel. Ouais, quoi, salut les filles, ouais. Oui. Tap. C'est pas faire ça, Romano. Non, mais t'es pas obligé, essaye pas de me déstabiliser en dansant. Hein. Ouais, non, tout ça va bien. Ça marchera pas ton cinéma. Allez, c'est parti. Pour les fans du clash, ça tombe bien. On va chez qui? Il y a Thierry qui nous dit qu'il est content parce qu'il branche la radio et il arrive sur le clash. Mon moment préféré. Et ben voilà, ton moment préféré, le moment de rêve. Allô? Oui, allô? Ouais, Xavier, bonsoir, comment ça va? Vous êtes? C'est Michel au téléphone, l'homme musclé. Je t'appelle là parce que j'ai repris le sport là depuis une petite semaine. Là, je fais de la musculation. Et je t'appelle parce que je voulais montrer ça à ta femme. Pardon? Je voulais montrer mon corps musclé à ta femme. Mon chlore. Je me suis musclé un peu le sexe et j'aimerais bien lui montrer tout ça. Mon chlore. Voilà. Allô. En fait, il n'y a plus du tout de méthode, quoi. Là. Musclé le sexe. T'es musclé le sexe maintenant. Ah, je me suis mais musclé tu ne l'as pas dit, c'est que tu musclé la bite. Je t'ai dit tout le corps. Mais non, parce que cette méthode, il l'a fait il y a 15 jours. Alors bon, ça l'a foutu un peu mal de la refaire ce bien soir. Bien sûr, il y a 15 jours. Ouais. Non, mais un petit mix. J'ai même fait lundi, je crois, non? Mais comme un DJ, tu remixes. C'est lui qui remixe. Bon. C'est rien du tout, moi. C'est à toi, Orban. Georges. Allô, Georges? Oui. Oui, bonsoir, comment ça va? Salut, c'est qui? C'est Jean-Louis, là, l'appareil. Jean-Louis, du bout de la rue, là, je suis un voisin. Et j'aurais besoin d'un petit conseil look. Un conseil quoi? Look. Fashion. C'est style. Qui? Je vois pas c'est qui, je vois pas qui est ça. Mais ta femme est là? Non, j'ai pas, non. Non. Ça doit être une erreur, je pense. Hein. Ah, t'es tout seul? Parce qu'en fait, je t'explique, là, je me suis épilé un peu le sexe, là. Et je me dis que j'ai trop coupé, peut-être. Voilà. Ah putain, ce con, il avait pas de femme. Non, il a pas de femme. Et ouais, tu préfères la vie d'une femme. Ouais, puis ça fout ma méthode un peu en l'air, tu vois. C'est con ça. Ouais, c'est con. C'est vrai. C'est con. On fait un deuxième tour. Allez, vas-y. Allez, deuxième tour. Je me suis mis au niveau de l'autre tocard. Ok, ouais. C'est donc le deuxième tour pour Cédric. On va dire que c'était un tour de chauffe que t'as fait avant. Noctis, allez, qui vas-y. Pose une question. Cédric, ce soir, va-t-il repartir dans sa mythomanie? Il n'y a pas de mythomanie. Non, mais c'est vrai que t'as fait une crise cette semaine, une crise de mythomanie mercredi soir. Okay. Ah, mais c'était hallucinant. Hein. Mercredi, c'était hallucinant. T'étais un malade, super, un vrai malade. Non, pas flippé, du tout, mec. Non. Truc de ouf. Allô? Allô, allô? Arnaud. Mon petit Arnaud, comment ça va? Tu m'as l'air bien bavard ce soir, dis donc. Et puis il écoute du son sympa, a priori, derrière. Je sais pas si vous avez entendu. Vas-y, raccroche. Allô, c'est Arnaud. Ouais, bien sûr, allez. Quand tu vas me baiser comme ça. Ah merde, il venait de répondre, on a raccroché. C'est dommage, c'est Cédric. Bah, ça va passer à moi. Alors. Allez, mon petit cri-cri. C'est Christophe. Christian, d'accord.
Tisba 17. J'écoute un replay de 2014. Cédric utilisait la méthode du musclé à la bite veineuse. Il avait perdu. C'est ce qui lui mérite tout le tour. Allô. Allô. Allô, bonsoir. Denis. Denis. Oui. Comment ça va, mon petit Denis? C'est qui? Ben, c'est François au téléphone. Je t'appelais là parce que je sors de la salle de sport, là. Je viens de faire une petite séance de muscu. Ouais. J'aurais bien aimé te montrer mes muscles, là. Voir que tu me dises ce que t'en penses un petit peu. Bah, tu viens quand tu veux. Ben, écoute, j'arrive dans 5 minutes. Je vais me mettre torse nu. Limite en slip. Je te montre les muscles et après, je te montrerai mon muscle entre les jambes. D'accord. Parce que celui-là aussi, il travaille un petit peu, d'accord? Ouais, ok. Et après, je travaillerai dans tes fesses. D'accord. Eh ben, tout de suite, alors, mon chéri, j'arrive tout de suite. Allez. Merci. Salut. Eh ben voilà. Bisous, mon petit Denis. Un serrage comme quoi, les vieilles méthodes, c'est pas les plus mauvaises. Et là, tu vas me dire qu'il n'y a pas de serrage, là? Il y a du serrage. Remix 2014. Ouais, ouais. La méthode, c'est pas un remix aussi, peut-être. Il est toujours là, ton chéri, là, Cédric. Ouais, mon petit Denis, j'arrive. Bah, on peut le raccrocher, j'arrive. Hein. Bon, bah, salut, Denis. Hein. Donc, t'abandonnes l'appel. Bah non, je l'ai serré, tu ne pas plus. Je vais pas lui raconter ma vie. Alors, t'abandonnes l'appel. J'ai un petit message qui m'a plu, le petit message de Thibaut sur le 41759. Thibaut qui nous dit, plutôt que d'aller à la salle de sport, Cédric, tu ferais mieux de passer par la salle de bain. Pas mal, Thibaut. Merci, bien joué. Excellente. Merci pour ton message. Allez, vas-y. Deuxième tour réussi pour Cédric. Bravo à toi. Merci. Cédric, ah, enfin, quand même. Le niveau monte. Un peu Romano, de reconnaissance. À toi. C'est parti. Bonsoir. Bonsoir, Romano. Et tu es là depuis 21h, tu sais. Mais je vous redis bonsoir. Très bien. C'est vrai qu'il y en a qui arrivent à n'importe quel moment dans l'émission, donc ils vous saluent tout le temps. Tout va bien dans ta tête? Ouais. Bah, elle est chauve hein, pour l'instant. Hein. C'est qu'on appelle là? On appelle chez Stéphane. Stéphane, allez, c'est parti chez Stéphane. Bonjour. Bonjour. Ah, vous êtes en relation avec un répondeur. Ça sera pas Stéphane. Merci de bien vouloir. Ah, je vais m'y perdre avec tous ces prénoms. Oui, ah, oula, là, on était à double répondeur. On aurait pu faire un double appel avec deux répondeurs. Ça aurait été super, ça dit donc. Hein. Romano, donc, on y va pas chez Stéphane, on va changer. Hein. Il y a quelqu'un qui a dérapé dans le studio. Je sais pas si vous avez entendu. C'est quoi? Dérapage ou hurlement? Je sais pas. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est cassé la gueule en dérapant. Vous tiendra au courant, ça se passe dans les couloirs, mais vous devez être au courant, vous dites tout. Les coulisses de Skyrock, tout. Alors, on va chez qui, là? On va chez Stéphane encore. Ah, c'est encore un Stéphane. Ouais. Ça, tu te trompes pas dans les prénoms. On attend. Ouais, ça on attend. Un peu long d'ailleurs, mais on attend. En plus, c'est le troisième là, ça, tu vas te faire baiser ton bonjour tour. Vous êtes sur la messagerie du 03. Hop là. Bon, ben voilà. Je t'ai fait niquer ton tour. Non, il est là. Allô? Oui, allô? Ouais, bonsoir, c'est qui? C'est Patrice. Bah, comment tu vas, Patrice? Ah, c'est qui au téléphone? Là, c'est Jean-Louis, un voisin du bout de la rue là. Jean-Louis? Ah, ouais. Oh, on n'a pas trop eu l'occasion de se voir, quoi. Mais dis donc, ta femme va bien? Jean-Louis au bout de la rue, je connais pas de Jean-Louis. Mais moi. Si, celui-là, le chauve, petit chauve à lunettes. Petit chauve à lunettes. Avec la voiture, là. La Twingo. La Twingo. Couleur moutarde. Je connais personne avec une Twingo. Bon, peu importe, écoute. Ta femme va bien? Ah ouais, elle va bien. Bah, qui va bien. Bon, nickel, parce qu'en fait, j'avais un petit problème, là. J'ai fait un petit relooking, là, ce soir, là. Je me suis épilé les poils du sexe, et j'aurais bien montré ça à ta femme, et si je pouvais passer dans 5 minutes, ce serait bien. Oh, quoi une connerie. Non. Attends, allô, Patrice? Ouais. Ouais, j'arrive dans 5 minutes, ma poule. Non, moi, j'ouvre pas, hein. Ah, si, mais t'ouvres. Putain, moi, j'ai envie de faire l'amour avec ta femme, elle est trop bonne. Il a dit non. J'entends sa belle voix, qu'elle passe là moi, j'ai envie de me masturber. Ouais, bah t'inquiète pas, masturber tout seul. Bah allez, je viens dans 5 minutes. Non, ta gueule, dégage. Je viens dans 5 minutes. Ah, ta gueule, dégage. Je suis en train de masturber là. Un rappel. Un rappel. Allez, on donne le rappel. J'ai adoré la femme derrière qui a une voix en effet très sensuelle, comme tu l'as remarqué. Et comme vous avez tous remarqué derrière. Moi, j'adore le final, ta gueule. Dégage. Allô? Ouais, alors. Bon, alors, moi, j'arrive, hein. Non, bah, j'appelle la gendarmerie, hein. Bah, c'est pas grave, moi, de toute façon, je les connais, hein, je bois des coups avec eux. J'arrive, on fait l'amour, tranquille, et puis après, je repars. Allez, Patrice. Non. Pas de l'amour, j'appelle la gendarmerie. Voilà. Bon, bah, on salue nos amis les gendarmes. Alors. Moi, je veux un autre tour, hein. Tu veux un autre tour? Allez, je donne un dernier tour, Cédric Romano. Bien sûr. Bah, il veut un autre tour. Moi, j'ai fait un serrage, moi, ça me va, hein. C'est bien. Bah, essaye d'en faire un deuxième. Éblouis-nous par ta sensualité. Allô. Allô. Allô, oui. Oui, bonsoir madame, Jean-Claude, il est là s'il vous plaît. Bien, vous êtes qui? C'est Michel, un beau gosse au téléphone. Michel, le beau gosse au téléphone. Ouais, de la salle de musculation, dis-lui. De quoi? De la salle de musculation, salle de sport. Bah écoutez, mon mari ne fait pas de musculation. Non mais moi j'en fais, moi justement.
Eh ben, j'en ai rien à foutre. Ben, passe pas Jean-Claude. Il est pas là. Ben, si, il est là. Non, il n'est pas là. Ben, t'es toute seule, ma chérie? Non, mais c'est pas votre chérie, je vous ben signale. Ben, si, justement, je voulais venir te montrer mes muscles. Ouais, on va te faire foutre, le connard. Ça va, qu'est-ce qui t'arrive? Y a un souci, là. Ben, je voulais venir te faire un petit câlin. Ben, écoutez, non, ben, là, je vais signaler vos appels à la gendarmerie. Ah ouais? Ouais, pas de soucis. Bah, s'ils viennent à la maison, je leur ferai un petit défilé, tiens. Ouais, pas de problème. Je vais leur montrer mes muscles, là, aussi. Ouais, bah, vous montrez vos muscles, vous faites ce que vous voulez. Et on fera un petit câlin. Rien à cirer. On fera un petit câlin, ma chérie. Allez, vous faire voir. Au revoir, monsieur. J'arrive, je vais te faire voir, ma chérie. Ce qui est bien, c'est certaines dames, quand tu les appelles, elles te balancent des saloperies, mais elles terminent par au revoir, monsieur. Ouais, allez, vous faut au revoir. Ouais, c'est vrai. Au revoir, monsieur. Elle est polie, tu vois, à la fin. Et ben, tu vois, Cédric, t'avais bien aimé la fin de Romano, mais t'as eu la même. Eh ouais. Le même. T'es... Pareil, ouais, la gendarmerie, tu vois, mais t'es vraiment un copieur, c'est hallucinant. Non, mais le mec, tellement il me kiffe, il fait tout pareil. Non, bah non, regarde, mais ça devient inquiétant. Il y a juste un truc qui m'inquiète, Cédric, t'es encore en train de te gratter le cul, là, tu vois. Non, c'est le dos. Tu viens d'arrêter. Le mec se gratte le cul, t'as un problème. C'est pas, ça va. Non, je trace le mec. Bien le pif, on dit rien. Il remonte son t-shirt par derrière, il rentre la main dans le pantalon et il se gratte le cul, après il sent. Ah, vas-y, arrête de roter. Bah, oui, mais bon. Ah, mais il a roté. Pas... J'entends pas, il vient de roter. Ah, non. Non, mais j'ai bu un. Allô, coup, allô. Rudy. Allô. Oui, bonsoir, c'est la copine de Rudy. Oui. Oui, il est là ou pas? Oui, je vous le passe. Ah, c'est sympa, merci. Attention, faut que tu serres là. Chut. Pas de pression. Allô. Ouais, Rudy. Oui. Oui, comment tu vas? Ça va bien, toi? Bah, nickel. Bon, dis-moi, je vais passer à la maison là. Allô? Je vais passer là dans 5-10 minutes à la maison là. C'est qui? C'est Jean-Louis. Ta copine t'a jamais parlé de moi? Ah non. Non, bon ben voilà, ben, ça sera le moment de t'annoncer la grande nouvelle. Mmh. Bon, je passe dans 5-10 minutes, là je me suis épilé le sexe, je lui aurais bien montré ce soir. Donc je vais arriver d'ici 5-10 minutes là. Ouais, ok. Bon, et après je pense qu'on fera l'amour tous les trois du coup. T'as un cul, toi. Ah. Pas sûr. Ah bon, Rudy. Rigole. Rudy. Oui. J'ai l'impression que tu perds tes moyens. On fera l'amour tous les trois, ça te pose pas de problème? Non, pas de problème. Bon, bah j'arrive. Je me lave bien la bite et puis j'arrive là. A tout de suite, mon Rudy d'amour. Oui. Ça va être chaud ce soir. A tout à l'heure, bébé. Et bisous. Voilà. Et voilà. Et bim, c'est passé. La surprise du fan de Clash. Et l'autre, il a la gueule en biais. La surprise du fan de Clash. Cécile nous dit, Romano, sur le fil, tu nous feras toujours rêver. Oh, quel suceur. C'est Romano Tantana. Ouais, c'est ça, ouais. C'est la Romano Tantana. C'est la Romano Tantana. Nous, c'est un tout petit wheel, on a fait un bête de serrage. Bon, arrête. Où tu t'es à peine dit oui. T'es de ta gueule, t'es sérieux. Hey, ah, t'es pas chaud, mec. Qui est le meilleur? Lequel vous allez choisir? À vous de voter. 41 759. Vous envoyez vos messages. Le skyrock.fr, l'appli Skyrock. Déclaration, il est dans sa rage. Moi j'ai serré Denis. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Un vrai serrage. Un vrai de vrai. L'autre il vous a fait un vieux truc là, et le mec il a dit oui. Ça ébime. On a l'impression que c'était un bête de serrage. C'est la Romano Tada. Ouais, ok, ok. Garde la pêche. Bon, pour ça, la famille, soutenez-moi et votez Cédric. C-E-D-R-I-C. Ça lui fera fermer sa grande gueule à l'autre chauve. Romano, une déclaration. Bon, eh bien ce soir mes amis, c'est la Romano de Tada. Ouais, c'est ce que je vais vous dire. Arrête. Bam, dernier coup de fil. Bam, un serrage. Mon adversaire a la gueule en biais. Vous l'entendez, il jappe, il grogne. Il a la rage. Il est pas content. Eh bien, pour lui foutre la rage jusqu'au bout, ce soir, votez Romano ou pas. ROM. Votez Cédric. Romano de Tada. Ouais. Mais attends, 5 minutes, vous allez jusqu'à 22h. Allez, vous allez jusqu'à 22h50 pour voter. Je vais pas rentrer dans les détails. 6 minutes de vote pour voter. Tiens, Romano, Cédric te donne des conseils pour draguer, dis donc. Ah ouais, ouais. Je m'en passerai, merci. Non, mais tu vas, bien. Denis, tranquille. Garde-toi un peu, Cédric, pour l'acrobate qu'on va prendre au téléphone avec nous. Ouais, et puis on vous présentera. Allez, votez Romano. Luna. C'est le clash sur la chaîne Sly Guy. Alors, les résultats du clash, je vous les donne. Qui va gagner ce soir? Résultats du clash de la drague. Le clash, un clash à rebondissement. Ça a démarré tout doucement. Ouais, c'est vrai. Après, Cédric a serré de manière exceptionnelle, magnifique. Ouais, deuxième tour direct, moi. Et jusqu'à la fin de l'appel de Romano, le troisième coup de fil, on s'est dit, et Cédric d'ailleurs souriait avant d'avoir la gueule en biais. Non, oh, j'avais pas la gueule en biais, c'est non, pas non, vrai. Non, tu souriais. Et donc tu souriais avant d'avoir la gueule. Et là, Romano, pam pam, a réussi à serrer. Donc ça nous fait du suspense. La Romano de Tada, quoi. Un serrage chacun et un 53
47 pour ce soir. Alors, qui a gagné le clash? Je vous dis tout de suite. Cédric, tu penses que c'est toi? Ben, ça mériterait, ouais. Ça mériterait, Romano, tu penses que c'est Cédric? Ouais, ben, moi, franchement, j'ai assuré le show, quoi. Il y a du suspense et j'ai tout. Assuré le show. Et bien, après le suspense, voici les résultats. Eh ben, voilà. 53 dans ton U pour Romano. Même pas mérité. Ouais. 47 pour Cédric. Et tu dames. Ah, bah, tu bah, un vieux serrage mais, en plus. Mais, et il dame. Mais je t'ai. Oh, je t'ai baisé. Oui, mais c'est les votes. Je t'ai baisé, c'est ce qui compte. Merci. Allez, allez, allez. Vive la team Romano, team Romano. Je vous aime. Merci pour tous les votes. Mais c'était serré. Bon week-end. Bravo Romano, merci Pamela. Ouais. C'est le meilleur, tu l'as encore baisé l'autre con. Ah ouais, je l'ai baisé. Et voilà, elle est heureuse. Elle est très heureuse. Mets de l'huile, ouais. Bon, moi je remercie la team Le Belge quand même, je vous aime très très fort. Merci Cédric Lundi, nouveau clash en direct sur Skyrock. Le loupez pas, et dimanche soir dans la spéciale de la Radio Libre aussi. Ouais.